Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Si le cinéma est immédiatement évocateur d'une cohorte d'acteurs marquant de leur physique et de leur jeu les œuvres qu'ils interprètent, du réalisateur qui laisse son nom comme signature, le public a souvent peu conscience du rôle essentiel du producteur dans l'avènement complexe d'un film. Peut-être est-ce pour réparer ce fréquent oubli que Marie-Christine de Montbrial, productrice elle-même, ayant participé à la création de nombreux succès du cinéma français et international, a commis Cadavre exquis dans le 7e art, quatre créateurs du cinéma mondial, publiés aux éditions Jacques-Marie Lafont. Présentant la biographie souvent digne d'un film de quatre producteurs, David Selznick, Lou Wassermann, Gérard Lebovici et Daniel Toscan-Duplantier, Marie-Christine de Montbrial revient sur leur étonnant parcours, leur personnalité hors du commun et propose une réflexion sur les évolutions de ce métier sur près d'un siècle. Lieu d'importants tournages internationaux depuis plus de 40 ans, le château du Saussay de Ballancourt s'impose comme un cadre pour pareil sujet. Laissons justement son propriétaire, Jean-Louis de Bourbon-Busset, nous conter quelques-uns de ses souvenirs de tournage les plus marquants. Les premières traces du château se perdent parce que ce qu'on sait, c'est que la première construction a brûlé en 1599, au moment des guerres de religion, que ça a été racheté par un monsieur de Gaumont qui a construit une espèce de grande ferme fortifiée avec le privilège de l'entourer d'eau pour justement éviter des attaques futures. Cette ferme s'est petit à petit castellisée. La demeure du propriétaire devenant de plus en plus un château et les communs ont été ensuite rasés pour reconstruire un deuxième château semblable au premier. Ce qui explique cette architecture assez curieuse de deux châteaux qui se regardent et d'une cour d'honneur qui donne immédiatement sur le jardin, contrairement au plan classique qui est cour d'honneur, château transversal et jardin derrière. Ici, nous avons au contraire... Alors, on retrouve cette architecture notamment dans le château de champ de bataille. On a exactement la même architecture. Depuis le fameux monsieur de Gaumont qui achète cette propriété, elle passe dans plusieurs familles, toujours par les femmes. C'est-à-dire que c'est plusieurs fois, il n'y a qu'une seule femme comme héritière qui hérite du château, qui va épouser un monsieur de Colbert ou monsieur de Gaumont monsieur de Canclos et monsieur de Bourbon-Busset. Donc c'est comme ça que le château va changer plusieurs fois de famille, sans avoir été jamais vendu depuis 1599. Donc en fait, il est resté dans la même famille, simplement les noms ont changé. On a commencé avec le premier film, ça a été Balsamo, un film d'une belle, qui était censé se passer à Versailles, c'est-à-dire qu'une partie de la maison était Versailles, parce qu'à l'époque, Versailles n'acceptait pas les tournages, donc les metteurs en scène devaient trouver d'autres châteaux. Ensuite, il y a eu Le Sauvage, avec Catherine Deneuve, merveilleuse, et puis Yves Montand. Ensuite, nous avons eu Le Chasseur de chez Maxime, avec Galabru, qui était une très jolie comédie. Là, ils ont tourné ici pendant presque un mois entier. Il y a eu des grands acteurs. Nous avons eu Gérard Depardieu dans le film Le Comte de Monte Cristo, fait par José Dayan. Nous avons eu Delon, avec Edwige Feuillère dans un merveilleux film sur la musique. Edwige Feuillère étant un professeur de musique, si je me souviens bien. Il y a eu un film extraordinaire qui était La vie de Malesherbes, avec Dufilho, avec Galabru et avec Arditi, dans cette pièce où Dufilho jouait Voltaire, mais ne savait pas son texte. Il avait oublié son texte, il n'avait pas eu le temps de l'apprendre. Et donc pendant une heure, il a improvisé. Et les autres acteurs qui, eux, essayaient de se rattraper comme ils pouvaient, bon bref, ça dégénérait dans un fou rire général pendant à peu près une heure, jusqu'au moment où le metteur en scène s'est un petit peu énervé, parce que le temps passait et qu'il n'y avait rien dans la boîte, comme on dit en cinéma. Et à ce moment-là, Dufilho a pris sa feuille de papier, a enfin lu son texte, et l'a donné tout de suite d'une manière formidable, et la scène a été tournée immédiatement. Alors, parmi les grands films internationaux, il y a eu les Liaisons dangereuses de Stefan Fierce, il y a eu Le Chacal. Parmi les stars internationales, nous avons eu Leonardo DiCaprio, mais qui à l'époque était un acteur débutant dans Verlaine et Rimbaud. Et on a tout de suite vu que c'était un acteur extraordinaire. Le dernier film que nous avons accueilli, c'était le film de Pierre Ninet, France, d'un film de François Ozon.
Marie-Christine de Montbrial, bonjour. Bonjour. Et merci de nous faire le plaisir de venir sur le plateau de L'Essonne en hauteur. Alors, vous reconnaissez, parce que je crois que vous êtes une fan, vous nous avez dit. Je suis une fan. Vous avez repéré bien avant vous. Mais oui, vous m'avez appris ça, une fan de l'émission. Oui. Et donc, vous savez que notre principe, c'est toujours de faire réagir notre invité au lieu dans lequel nous l'accueillons. Alors aujourd'hui, on a une chance exceptionnelle. Ah, oui. Parce que nous sommes au château du Saussay, mais pas du tout cette fois-ci pour l'aspect historique de cette demeure, mais parce que c'est peut-être en Essonne l'un des lieux qui a accueilli le plus de tournages et le plus de tournages importants. Deux questions. Est-ce que dans vos fonctions de productrice, dont nous allons immédiatement parler, vous avez déjà suivi un film dont une scène aurait été tournée au Saussay ? Non, mais par contre, l'idée de me trouver dans les lieux, un des lieux prestigieux où était tournée Les Liaisons dangereuses, oui, absolument. Ça m'enchante. Eh bien, voilà. Écoutez, nous sommes même précisément, puisque vous faites allusion au film de Stephen Frears, nous sommes dans la maison de Madame de Tourvel, qui était jouée par Michel Pfeiffer. Voilà. Oui. Alors, nous allons en venir maintenant à votre ouvrage, « Cadavre exquis dans le 7e art ». Et ma première question va porter sur le titre. Oui. « Le contenu m'a enchanté, le titre m'a désarçonné ». Parce que quand j'ai lu « Cadavre exquis », bon, alors je me suis dit, est-ce qu'il y a une référence surréaliste ? Non, je ne pense pas, je ne l'ai pas trouvé dans le livre. Est-ce que je vais trouver des cadavres dans le placard ? Il y en a quand même pas mal dans le livre. Mais pourquoi ce titre, « Cadavre exquis » ? Écoutez, au fond, pourquoi est-ce que ça m'a plu, « Cadavre exquis » ? C'est un titre de mon éditeur. Mais ça m'a plu tout de suite pour plusieurs raisons. La vraie raison, c'est que Cadavres exquis, c'est la référence surréaliste pour moi, dans ce sens que c'est un peu la vie. Vous savez, vous pliez le papier et vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Et je trouve que c'est plaisant parce que ces quatre personnages ont des vies stupéfiantes et avec des rebondissements inattendus. Et en même temps, ce sont des vies qu'ils ont faites, qu'ils ont forgées, ils ont fait ce qu'ils ont voulu quand même. Les quatre. D'accord. Donc, ça me paraissait, c'était peut-être un peu au quatrième degré, j'en conviens. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de morts dans le livre, mais ça... Oui, et quelques cadavres, dans le placard. Mais justement, j'avais besoin d'un éclairage sur le titre. L'autre question que je voulais vous poser, vous venez d'induire le thème du producteur. Et vous faites une réflexion très juste plusieurs fois dans votre livre, mais dès le début, en disant que finalement, bien les spectateurs qui font vivre le cinéma, puisque in fine, c'est quand même bien les spectateurs qui font vivre le cinéma, ils s'intéressent toujours aux acteurs, évidemment, c'est la phase la plus visible. Oui. Ils connaissent parfois le nom du réalisateur. Oui, voilà. De plus en plus. Et de plus en plus. Mmh. Mais alors, par contre, s'il y a bien quelqu'un qui ne s'intéresse pas tellement, il y a une petite exception dans votre livre, mais bon, voilà, c'est le producteur. Pourquoi vous êtes intéressé, je ne vais pas dire à ce repoussoir, mais pourquoi vous êtes intéressé au producteur qui n'est pas le plus sexy dans un film ? Il est incontournable. Ben, bien sûr. Et il est incontournable et c'est l'ami du réalisateur, même s'il y a toujours un moment où, même s'ils sont tout le temps sur la même longueur d'onde, il y a une sorte d'affrontement de pouvoir. Mais... je remarque cette chose qui est assez fascinante. Si vous prenez l'exemple de François Truffaut, qui est l'exemple type du réalisateur qui s'est produit lui-même. Il a créé très vite sa société de production, les films du Carrosse, en référence à Renoir. Bien sûr. Et en fait, on pense quelquefois, bon, bah, Truffaut, après ça, il n'avait plus besoin de producteur. Non, ce n'est pas vrai. Il y avait toujours Gérard Lebovici à côté de lui. D'abord son agent, ensuite devenu son producteur. Mais le producteur et deux des grands producteurs dont je parle, Wasserman et Lebovici, sont des gens qui n'ont même pas mis leur nom sur les films. Oui, souvent, j'ai donc, vu ça aussi. On peut se demander pourquoi le producteur est en gros. Souvent sur le film, il est juste avant le réalisateur. Donc, ça prouve qu'il a une importance. Et ça n'est pas que les finances, parce que les finances, ça ne se met pas aussi gros que ça. Bien sûr. Alors, à cette époque-là, le producteur, il y en avait peu. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des listes extraordinaires parce que le pouvoir est dilué sur les films. Mais les quatre, là, dont je parle, ce sont des producteurs ou producteurs-agents qui sont d'une époque où... le pouvoir, à un moment donné, était concentré où il y avait quelqu'un en qui pouvait homme. Dire oui. Bien sûr. Non, mais c'est la personne qui peut dire oui. Bien sûr. Et qui peut dire oui au producteur, au réalisateur, et qui ensuite va l'accompagner. Alors, parfois, le producteur est à l'origine du projet, et puis parfois, c'est le réalisateur. Mais il y a toujours... ça ne peut marcher que s'il y a cette complicité, même dans les affrontements. C'est un peu une alliance de mots de dire ça, mais c'est vrai. D'accord. Alors, vous avez cité quelques noms, donc on va bien les reciter. En oui. fait, votre ouvrage est composé
pas de notice biographique, est composé de quatre biographies. Oui, ça n'a rien d'infamant, mais oui. De quatre biographies, à savoir deux Américains et deux Français. Donc, Selznick, bien sûr, Wasserman, Lebovici, Toscan du Plantier. Avant que nous allions plus avant dans la connaissance des uns et des autres, parce qu'alors franchement, les personnalités sont bien choisies, il n'y en a aucune qui est... Enfin, elles sont toutes exceptionnelles dans leur genre et sont... très différentes. Oui. Mais alors justement... Est-ce qu'il y a une cohérence dans le choix des quatre? Il y a une unité. Alors voilà, quelle est-elle? Et il y a une progression dans le temps. D'accord. C'est chronologique. En ce qui concerne, pas complètement, parce que Wasserman a vécu si vieux qu'il a écrasé tout le monde. Oui. Mais en ce qui concerne les deux Américains, c'est vraiment la grande période du XXe siècle, puisque Wasserman est mort quand même à l'aube du XXIe siècle et qu'il a gardé du pouvoir jusqu'à la fin. Vous avez Selznick qui est... l'image emblématique du producteur presque caricatural, qui était le grand producteur indépendant à l'époque des studios. Bon, on a tous en image Autant en emporte le vent, Rebecca, il a fait aussi bien d'autres choses fascinantes dont on parlera, j'en suis sûre. Mais ça, pour moi, c'était le pouvoir des studios. Et un homme qui veut être un producteur indépendant face aux studios, en essayant quand même de garder sa colonne vertébrale et de ne pas être un employé du studio. Bon. Ensuite, vous avez Wasserman, qui est inconnu, très peu connu, qui était un obsédé du secret. Il y a très peu de photos de lui, qui détestait qu'on parle de lui. Oui. Même sur son bureau, etc. Oui. Mais Wasserman, il a fait changer le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a fait basculer le pouvoir. C'était la fin du règne des grands studios, un peu à cause de lui, parce qu'il a été agent et il a redonné aux créatifs la force d'imposer leur choix esthétique, leur comment choix il a fait de sujet. Ça, c'est parce qu'il était diaboliquement intelligent et qu'il était toujours en avance d'une idée dans les contrats. Et donc, bien souvent, il a proposé des contrats et les gens avec qui il signait n'ont pas tout de suite vu les implications du dit contrat. Vous savez, c'est comme les joueurs d'échecs. Quelques coups en avance. Mais alors, beaucoup de coups en avance. Quel lien maintenant? Donc là, on a fait la phase hollywoodienne, américaine. Et comment est-ce qu'on arrive en France alors? Bah, la France, normal, parce que la France est tout de même la terre du cinéma comme les européen, États-Unis. Oui. C'était la patrie initiale. C'est aussi dans cette époque que je décris, Lebovici et Toscan, un moment d'immense talent. Il y a eu d'immense talent dans toute l'Europe. Mais il faut voir que ces deux Français ont financé le cinéma européen et ont produit le cinéma européen. Ça va plus loin que la France. Vous avez le Don Giovanni, par exemple, qui est énorme. Vous avez l'Espagne, l'Italie, avec laquelle la France faisait de très, très nombreuses productions. Toscan, qui a essayé de développer Toscan, des choses, bien sûr. Lebovici travaillait beaucoup avec l'Italie, etc. Donc, en réalité, vous couvrez tout un aspect très important à un moment d'une grande créativité, parce que il y avait eu toute cette période de cinéma magnifique, mais on a eu le renouveau de la jeune génération. Avec, la nouvelle vague, avec le néo-réalisme. Et toute cette période du début de la nouvelle vague jusqu'à la fin du siècle, quand même inouïe. Donc j'ai pensé que Lebovici, qui lui aussi, comme Wasserman, avec beaucoup de points communs, a donné le pouvoir aux créatifs. Il y avait un lien assez logique de passer de l'un à l'autre. Et ensuite, Toscan, qui est le contrepoint à tout le monde, puisqu'il était d'une autre origine sociale, il n'a pas eu besoin de se battre au début. Lui, s'est battu plus tard. Même dans sa façon de faire de la production. Il s'est battu plus tard. Il a eu des complications quand il a quitté Gaumont seulement. Alors, j'ai essayé de continuer à aborder ce livre, qui est un livre important par des thèmes, et je vous dis tout de suite que j'ai renoncé, ça m'est apparu impossible. Pourquoi? Parce que les personnalités des producteurs dont vous parlez étaient tellement exceptionnelles en soi, qu'il vaut mieux qu'on essaye de les passer en revue avec leurs singularités les unes après les autres, si on veut faire le tour de votre ouvrage, ce qui n'est pas facile. Donc le premier dans la liste... C'est-à-dire que je parle toujours des autres dans chaque histoire. Mais c'est vrai que chaque histoire est extraordinaire. Ce sont des personnages qu'on a envie d'avoir connus et de fréquenter. Certains, vous les avez connus, vous allez nous dire oui, ça justement. Connu les Français. Et alors, bon, le premier d'entre eux, donc vous disiez que c'était David O. Selznick, et lui, sa première particularité par rapport aux autres, c'est que nous disions donc que les producteurs sont dans l'esprit du public, pas dans la réalité d'un film. Un peu la cinquième roue du carrosse, enfin, on ne sait pas tellement qui c'est.
Et Selznick, il échappe, et vous le dites, un petit peu à la règle. Lui, il est quand même un petit peu connu. Est-ce que la seule raison pour laquelle il est un peu connu, c'est parce qu'il a produit à un moment donné ce film inouï, à part, vous en parlez d'ailleurs à la fin de votre livre en disant qu'aujourd'hui on ne pourrait plus refaire un film pareil. Est-ce que c'est parce qu'il a produit Autant en emporte le vent ou il y a d'autres raisons qui expliquent cette célébrité de son nom ? Ce sont les autres raisons qui font qu'il a produit Autant en emporte le vent. D'accord, vous renversez la vapeur. Oui, on va renverser le propos. C'était un homme incroyable. Et parmi ses particularités, il y avait cette chose qui a assommé son entourage, mais qui nous a bien servi pour comprendre ce que c'est que la production. C'est même un cas unique dans toute l'histoire. Alors en quoi ? Et ce sont ces fameux mémos. Voilà. C'est-à-dire qu'il écrivait, il écrivait la nuit, il ne dormait pas. Il écrivait la nuit et il dictait à des secrétaires. C'est comme ça qu'on a les copies. Et il travaillait C'est-à-dire, il laissait des notes, des sortes de notes qui donnaient des indications, des notes de service, etc. Pas seulement, il écrivait à des journalistes, il écrivait à sa femme, il écrivait tout le temps. Il envoyait des notes. Et on a le double de toute sa correspondance, oui, quasiment. Oui, quand il est mort, on a trouvé deux hangars remplis de ses mémos. Et son fils et un journaliste ont mis 2 ans à essayer de structurer ça et ont fait un livre qui est subjugant, qui s'appelle « Mémos ». Bon, et il y a bien d'autres mémos qui ne sont pas dans le livre et qui sont extraordinaires. Alors, ce n'est pas parce qu'il a écrit ces mémos seulement, mais ces mémos donnent des explications parce que vous avez en permanence la référence intérieure, la motivation de tout ce qu'il faisait, ses passions, ses peurs, ses paris, ses doutes. Et ça, on ne sait pas, ça. Oui, ça change un petit peu la perception qu'on a en général du producteur d'être un sombre effroi financier, alors que là, on voit que c'est quand même un homme intéressé par l'aspect créatif. Mais lui, non seulement ça, mais lui, l'argent, pour lui, c'était vraiment... Tous ces gens-là n'ont pas fait fortune. Wasserman a fini par faire fortune. Très riche, oui. Oui, mais c'est comme dans les autres entreprises. Les très grands entrepreneurs, je ne suis pas sûre, soient des gens intéressés vraiment par l'argent. Ils sont intéressés... La création. Par la création, par ce qu'ils veulent faire. Et dans le cinéma, c'est la même chose. Et les grands créateurs du cinéma ne sont pas des hommes vraiment d'argent. Et donc, Selznick, finalement, Autant n'importe le vent, il l'a cédé pour une bouchée de pain. Après, il l'a cédé à un de ses anciens associés. Il n'a pas fait fortune avec Autant n'importe le vent, aussi incroyable ça puisse paraître. Donc, en même temps, on comprend, parce que quand on voit un film aussi foisonnant, on se dit qu'on voit surtout la dépense, et on ne sait pas ce que ça prend. Oui, mais après, vous rendez compte du succès. Oui. Or, lui, il a tout réinvesti. En même temps, il a fait, juste derrière, il a fait Rebecca d'Hitchcock. Et tout ça est parti avec des projets. C'était la création qui l'intéressait. C'était vraiment... Il était dans tous ses états au moment où il y a eu la projection test d'Autant n'importe le vent, comme on faisait à l'époque, et où la musique n'était même pas enregistrée encore. Il était tellement anxieux qu'il a demandé à ne pas savoir quand c'était et où. Parce qu'il avait peur de vendre la mèche, de faire venir des journalistes, etc. Il était impliqué complètement dans tout. Alors, est-ce que sa deuxième singularité, ça n'a pas aussi été d'être le premier producteur total ? Je vais vous lire page 19 pour qu'on voit... D'ailleurs, je vais vous lire le citant. Donc, voilà comment lui-même se représentait. « La différence entre les autres producteurs et moi, c'est que je m'intéresse aux mille et un détails qui entrent dans la fabrication d'un film. C'est leur ensemble qui fait un grand film ou qui le démolit. Personnellement, je considère qu'il m'appartient d'être responsable de tout. » C'est un Louis XIV du cinéma. Je donne un exemple qui est amusant. C'est une petite anecdote que raconte Ingrid Bergman dans ses mémoires. Ingrid Bergman l'adorait. Il l'a fait venir aux États-Unis. Il avait des têtes chercheuses et elle a fait un film qui a été remarqué en Suède. Et il l'a fait venir pour faire un remake de ce film. Et ils ont eu une relation affectueuse, comme vraiment un père et une fille. Et elle raconte, elle dit que Selznick était unique, que si elle avait envie d'essayer des bottines et qu'elle n'était pas sûre d'elle, elle l'appelait pour une scène ou n'importe quoi, elle l'appelait, il lâchait tout, il venait.
Celui dont on va parler est peut-être le plus impitoyable, tout en étant très intéressant et qui a beaucoup aimé sa femme. Évidemment, il s'agit de Lou Wasserman. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'était justement lui pas tellement connu, qu'en plus ça l'arrangeait, qu'il avait le culte du secret. Et pour justement induire ce personnage, je vais lire le petit portrait que vous en faites. Quand il disparaît en 2002, Lou Wasserman, lui, ne laisse pas une note derrière lui. Donc on fait le rapprochement avec les mémos cette fois-ci. Pas un mot, juste quelques photos. Photo arrachée par des proches, l'image d'une longue silhouette maigre et des lunettes dévorant son visage et de rares interviews calibrées pour délivrer un message calculé au cordeau. Il essaya de s'opposer aux biographies entreprises sur lui. Il recevait dans un bureau dont la table restait toujours vide. Il ne signait aucun papier. Eh bien, le portrait que vous avez fait de ce... D'abord, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Parce que comme non, il est mort très tard, vous auriez non. pu le croiser. Mais c'était très difficile oui. de rencontrer. S'il Wasserman. Était comme Alors, ça, je connais oui. des gens qui l'ont rencontré. D'accord. Entre autres, mon ancien patron que j'aime beaucoup, qui s'appelle Denis Chateau, bien avec sûr. Qui j'ai travaillé à chez la Gaumont. Gaumont. Oui. Et qui, lui, était est toujours un collectionneur d'affiches. Il a une des plus jolies collections d'affiches de Paris, comme René Chateau, d'ailleurs, les deux châteaux ont des collections d'affiches magnifiques. Et donc, comme il s'occupait d'exploitation de Gaumont à l'époque, il avait rencontré Wasserman à Universal et ils avaient parlé d'affiches. Et non, c'était un personnage très impressionnant. Il parlait peu, il était... Alors justement, est-ce que la première chose à dire sur lui, c'est que ce n'est pas l'anti-David O'Selznick par excellence. Ce n'est pas le contraire total. Si. Oui. Sauf dans une culture juive d'Hollywood. Sauf, qu'on retrouvera ça, aussi avec les Bovici. Qu'on retrouvera avec le Bovici, et qui est une caractéristique très intéressante parce que j'en ai parlé avec des amis juifs pour réfléchir à cette... Mais en quoi elle consiste alors? Eh bien, je crois, alors j'avance sous le contrôle de ce qui m'a été dit, mais ça me paraît une réflexion intéressante. C'est qu'au moment où il y a eu la conquête de l'Ouest du cinéma, c'était le début, au fond, du cinéma, c'était vraiment le début. Et les Juifs ont eu la possibilité de se faire une place dans une société nouvelle. Qui ne les accueillait pas toujours très bien. Pas toujours très bien. Et donc, ils ont pu montrer leur talent dans un art nouveau. Et en plus, bon, ils étaient souvent des joueurs, des fantaisistes, etc., plein de talents, de créativité. Donc, ça s'est très bien passé. Alors, lui, qu'est-ce qu'il apporte en propre, puisque c'est le fil conducteur de votre livre, qu'est-ce qu'il apporte en propre au métier de producteur? Vous avez, par la exemple... La révolution. Voilà, oui. C'est la révolution. C'est la fin, l'abolition du système des studios. L'abolition, vous y allez fort. Bon. Mais ça a été la fin du pouvoir, des grands pouvoirs des studios. Il était... Donc, à l'origine, il a été engagé comme agent, c'est-à-dire comme représentant d'artistes, dans cette société qui avait été créée par Jules Stein, qui est un personnage extraordinaire aussi, très proche de la mafia, ophtalmologiste en même temps qu'agent, et donc qui a repéré la rapidité d'esprit et le charme extraordinaire de Wasserman. Bref, il a été engagé. Wasserman, lui, c'était le cinéma qui l'intéressait. Au début, il était représentant de chanteur. Et c'est le moment où le développement de la radio, en particulier la radio directe dans tous les États-Unis, a permis de faire connaître tous ces chanteurs qui étaient gérés par MCA. Et donc, comme ils étaient des esprits rapides, ils ont eu l'idée d'acheter des plages de programmes, on pouvait faire ça à l'époque, les faire sponsoriser et de faire passer qui? Mais leurs chanteurs, en les faisant enregistrer dans les boîtes où ils jouaient, c'est-à-dire c'était du son direct, c'était enregistré directement. Donc quand Wasserman est arrivé à Los Angeles, c'était pour s'occuper de cinéma, mais il avait cette méthode qui était représentant. Et il s'est dit que ce serait quand même bien qu'au lieu de laisser ces acteurs, ils étaient dans une prison dorée, ils avaient des contrats de 7 ans, ils n'avaient pas le droit de refuser ce que leur donnait le studio. Si vous prenez Autant n'importe le vent, Clark Gable ne voulait pas le faire. Vous me direz que ça aurait été bien dommage pour lui de ne pas le faire. Mais il n'avait pas envie, il trouvait que c'était un film de femme. Lui, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas infamant pour autant. Si, pour lui, qui était un macho, un bien sûr, qui avait cette image d'homme viril. Et quand vous imaginez qu'en plus, bien la sûr. Première scène qu'on lui a fait tourner alors qu'il détestait danser, c'était la scène du bal, et que le réalisateur de l'époque était un réalisateur qui aimait les femmes et pas les hommes. Alors vraiment, c'était... Donc, il aurait pu refuser. Alors, Wasserman, lui,
il a appris, s'il a obtenu par exemple pour Bette Davis, il a obtenu pour la première fois qu'elle ait un contrat où elle avait le droit de regard. Oui, ça c'est une chose que vous montrez, c'est que c'était vraiment, en tant qu'agent pur, un génie. Il arrivait non seulement à obtenir donc des salaires jusque-là inconnus, il arrivait à redresser des carrières. Là, vous parliez par exemple de son activité d'agent dans la musique. Alors, il y a un exemple, je ne sais pas si cette actrice est très connue en France, mais qui est assez intéressant, voilà, Betty Grable, évidemment, voilà, qui était d'abord une femme connue pour ses charmes, une actrice sexy, etc. Puis le temps, les maternités. Vous savez comment on peut imaginer pour les gens, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas du tout qui est Betty Grable. Alors, qui serait son équivalent? Mais non, ce n'est pas ça. Oui, c'était une sorte de pré-Marilyn. D'accord. Mais je pense que tout le monde se souvient d'avoir vu, au moins dans les films, que les GIs avaient ce portrait espèce de pin-up. Mais au bout d'un moment, malheureusement, ces contours à cortes disparaissent à cause des maternités. Et donc, on se pose la question de ce qu'on va en faire, parce qu'elle ne plaît plus forcément autant. Et puis finalement, il lui trouve un brin de voix extraordinaire. Et voilà qui relance sa carrière sous la forme d'une chanteuse de manière éblouissante. Elle était chanteuse au départ. Oui, mais il relance la carrière. C'est-à-dire que maintenant, elle sera uniquement chanteuse et elle ne sera plus une actrice. Et sur scène, parce que c'est plus facile sur scène que le close-up. Oui, et puis d'enregistrement de disques aussi. Elle n'est pas que sur scène. Il y a un aspect, on dit qu'elle enregistre des disques, c'est-à-dire on la voit quand même moins dans votre livre. Et puis, alors par exemple, je parlais des négociations salariales, mais on ne va pas rentrer dans le détail pour le moment de ce personnage, parce que lui, je veux lui réserver un sort. Mais par exemple, bon, tout le monde se souvient de Ronald Reagan en tant que président. Certains savent qu'il a été acteur. Et Wasserman a été le premier à lui obtenir un contrat, lui assurant, exactement, $1 million. Bon, mais il pouvait aussi être impitoyable avec les acteurs. Alors moi, il y a une scène qui m'a frappé, c'est la scène de licenciement de Shirley Temple. Bon, c'est dur. Oui, on va la lire d'ailleurs. Shirley Temple avait attendri l'Amérique, c'était la petite fiancée de l'Amérique, avec ses petites anglaises, sa voix délicieuse, etc. Mais malheureusement, elle a grandi. Et quand elle a eu 20 ans... Elle n'a pas bien passé l'adolescence. Et c'est ça. Quand elle a eu 20 ans, Hollywood ne lui a plus trouvé autant de charme. Et autant Wasserman pouvait reconvertir certaines carrières, obtenir des salaires mirifiques, autant il savait d'une manière... Il était au service de ses clients. Oui. Il disait, c'est pour ça qu'on ne le voyait pas aussi, il disait la publicité, il savait aussi les mettre à la porte. Ah oui. Alors, on va lire ce qu'il a fait à Shirley Temple, ce que vous rapportez. D'ailleurs, une partie est rapportée de ses mémoires, les mémoires de Shirley Temple. La première star qui... Parce que lui n'a jamais raconté ça. Oui, bien sûr, on comprend pourquoi. La première star, c'était pas forcément à sa gloire, la première star qu'il remercia ainsi, avant Frank Sinatra, donc en plus il s'attaquait quand même à des gros morceaux, et d'autres, fut Shirley Temple, l'enfant star la plus populaire de l'histoire, dont l'étoile pâlit vers l'âge de 20 ans. Elle a raconté la scène dans ses mémoires. Quand Lou me dit froidement que MCA ne me représenterait plus, j'ai répondu « Une minute, ce sont les stars qui laissent tomber les agents, pas le contraire. »« Peut-être, dit-il d'une voix glaciale, mais cette fois, c'est nous qui vous virons. »« Pourquoi ai-je glapi ?»« Parce que vous êtes fini. » Bon, c'est quand même sec. Ses yeux noirs, comme de l'encre, ne sillaient pas. Lessivés, je commençais à pleurer. « Voilà, dit-il en me tendant une boîte de Kleenex à travers le bureau, prenez-en un à ma santé. » Donc, il était aussi impitoyable, ce Louvain. Il était impitoyable. On en arrive à une personnalité, moi je dois avouer, la personnalité qui m'a le plus fasciné dans votre livre. Et ça tombe bien parce que cette personnalité, en plus, par rapport aux deux autres, vous l'avez bien connue. Alors donc, là on en arrive à Lebovici. La première chose que je dois dire, c'est que le portrait que vous tracez de lui dans le livre est tout à fait à part des trois autres, qui ont tous leur intérêt. Comment déjà Gérard Lebovici en vient au cinéma, puisqu'il ne vient pas du tout de ce milieu à l'origine, et même il part avec des conditions très difficiles dans la vie. Comment est-ce qu'il arrive dans le milieu du cinéma? Eh bien, il arrive dans le milieu du cinéma le plus naturellement du monde, parce qu'il a été élève au cours Simon. Il avait envie d'être acteur. Mais la vie a fait qu'il était obligé de travailler et de reprendre la société familiale, puisque son père était mort et que toute sa famille avait été décimée. Or, ça faisait quand même un petit revenu, il avait une sœur, c'était un homme qui était très responsable, et donc il n'a pas voulu courir le risque de n'avoir aucun argent alors qu'il était responsable de sa petite sœur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en étant Cours Simon, il a rencontré toute cette génération d'acteurs, de la Nouvelle Vague, de réalisateurs. Et puis Claude Berry, et puis il est devenu très ami avec Serge Rousseau, qui était un...
un acteur mais qui est devenu un agent, et que c'était son monde et qu'il était heureux là-dedans. Ça l'amusait, il était très fort, ils n'avaient personne pour faire leur contrat, ils étaient tout. Donc, lui, il était un esprit très rapide. Oui, un don donc, pour les chiffres. Il lui demandait conseil, etc. Et peu à peu, il est devenu agent et il a lâché le... Il n'est pas devenu acteur. Bon, alors pour aller, pour un petit peu avancer, en fait, un des faits d'armes principaux de la carrière de Lebovici, ça a été qu'il a fondé, ce qui existe encore aujourd'hui, une agence que je vais vous laisser décrire, mais qui est une agence de notoriété mondiale et qui s'appelle Armedia. Qu'est-ce que c'est que cette agence? Pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle? Quelle a été l'action de Gérard Lebovici dans l'avènement d'Armedia? Eh bien, je pense que il a fait une agence à l'américaine. Justement, on a beaucoup parlé d'MCA. Et lui, il a fait une agence qui à la fois gérait les talents, et avec quel talent lui-même, et en même temps, qui les poussait à devenir autonomes. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il a eu quelques ennuis, parce qu'en réalité, on l'a accusé de faire de la production déguisée, ce qui il était a dû revendre, pas à un faux, moment donné. Oui. Ce qui n'était pas faux, puisqu'il a aidé les personnes pour qui il avait de l'admiration à faire leur propre structure de production pour pouvoir avoir plus de poids à côté des producteurs traditionnels. Voilà. Bien. Alors, là aussi où il est très étonnant, ce Gérard Lebovici, c'est qu'il y a comme deux hommes en lui. C'est un homme qui, pour le public, avance masqué. C'est quelqu'un dont on a encore moins d'images que pour Wasserman. Et il a pris aussi beaucoup de précautions pour ne pas qu'on il n'aimait ait... pas. Voilà, c'est il ça. N'aimait pas. Et la seule image il même disait, un peu... Il disait, mon nom sur une carte de visite, c'est déjà beaucoup. Voilà. Et la seule image filmée un peu ça. Qu'on a de lui, c'est il est assis, c'est je César. Crois, à côté de Catherine Deneuve à une cérémonie c'est de César. C'est les Césars voilà. Du dernier métro. Exactement, donc 1980, une année bénie. Oui, oui. Et on voit qu'au moment où il sent la caméra sur lui, ce qui est étonnant, voilà, il tourne la tête, il fait tout pour échapper à l'objectif. Il y a trois ou quatre photos. Quelle est l'explication de cette volonté de discrétion? Je pense que comme pour Wasserman, il y a la publicité, c'est pour les clients. Ça, c'est très important. Mais alors vous l'avez connu, comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré par hasard. Et j'étais, je venais de commencer dans ce métier et je n'avais pas idée de ce que c'était qu'un agent. Pour moi, il y avait Gaumont. Bon, c'était quand même connu. C'était oui. Formidable. Voilà, c'est pas Toscan mal. Toscan qui m'avait donné ma chance. Voilà, et j'ai fait un petit film, ça c'est une anecdote, j'ai fait un petit film qui était un petit film de télévision que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire sur le cinéma français vu par les Américains, qui était le premier film que j'ai produit pour une petite chaîne américaine qui s'appelait Télé France, avec France 3. Et quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était Karine Rueff, la fille d'ailleurs de Jacques Rueff, m'a invité à dîner avec lui. Et alors, moi j'étais, vous savez quand on est très jeune, on ne doute de rien. Donc je lui ai expliqué ce qui se passait dans le cinéma. Bien parce sûr. Parce qu'un agent, pour moi, c'était pas quelqu'un, d'accord. Vous voyez, monsieur 10%, d'accord. Je voyais le côté financier. Et au fur et à mesure que la soirée avançait, je trouvais qu'il était vraiment intelligent pour quelqu'un qui s'occupait que de 10%. Et donc il a voulu voir mon film. Et je lui ai dit qu'il y avait des projections de presse. Et donc, il a beaucoup ri et il m'a dit « Je ne vois pas les films en projection de presse. » Bien sûr. Et donc, il a eu sa projection. Et quand il est sorti de la salle de projection, j'ai rencontré Denis Chateau avec lui. Et Denis Chateau était un monsieur très intimidant, parce que moi, je travaillais avec Toscan. Très intimidant parce qu'il parlait peu. Et donc, alors, je dis au revoir à Gérard Lebovici. Et Denis Chateau m'appelle dans mon bureau 3 minutes après. Il devait et se me demander. Dit, qu'est-ce que vous faisiez tiens. Avec Gérard Lebovici? Je dis, ah bon, pourquoi? Mais et il m'a sûr. Dit, mais du coup, il a voulu voir mon film aussi. Et j'ai eu 3 spectateurs, au fond, à ce film. C'était Toscan qui m'a dit, à partir du moment où il a vu le film, qui était content, qui m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Il m'a laissé rentrer, lire les scénarios, etc. Parce que j'étais partie un peu sur une voie de garage. Lebovici et Chateau, et comme ces hommes. S'entendaient, deux à deux s'entendaient pas, c'est-à-dire que Toscan Gérard, et Lebovici ne s'entendaient pas. Ouais. Chateau s'entendait merveilleusement avec Gérard Lebovici, ils étaient très très liés. Et donc au fond c'était une espèce de, comme moi j'étais chargée après de lire les scénarios et de faire une sorte de sélection, qui était surtout de dire non d'ailleurs, mais vous savez on commence oui, toujours oui, comme on sait comment ça. On commence le début, on dit non dans l'avion.
Et donc j'avais la chance de parler avec eux. Et puis quand j'ai commencé à travailler pour Luc Besson avec le projet de Subway, Gérard Lebussy, ça l'a beaucoup intéressé. Il a commencé à penser que je pourrais aussi, il me donnait des choses à lire, etc. Bien. Alors, on a donné un visage, des multiples visages de Gérard Lebussy, mais il avait un autre visage, plus privé, où il avait des goûts bien différents de ce qu'il produisait. Et je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais comme il faut que je parle aussi de ce personnage, je vais dire qu'il y a quand même un homme qui semble synthétiser, qui semble cristalliser les goûts tout à fait particuliers de Lebovici, qui était Guy Debord. Alors là, on a affaire à un autre continent, hein, si je puis dire. Bon, Guy Debord, qui marque un retour en grâce ces derniers temps. La Bibliothèque nationale de France a racheté ses archives, oui, son bureau, etc. Je pense qu'il y a peu de cours d'université en matière politique, sociologique, où Guy Debord, à cause en particulier de l'ouvrage La société du spectacle, n'est pas citée. Quel était le lien? Expliquez-nous, expliquez-nous ces deux personnalités et ensemble. C'est quoi ça? Écoutez, là, il faudrait trois heures, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, si vous partez là-dessus, il faudrait trois heures. Mais je veux quand même dire quelque chose qui y revient. C'est-à-dire que Gérard Lebovici avait des goûts éclectiques et ce n'était pas l'argent sa motivation, voilà. Jamais. Très important comme de dire ça. Comme Toscan, d'ailleurs, aussi. Hein. Et comme Toscan, il avait quelque chose à côté du cinéma. C'était un homme qui n'avait pas eu le luxe d'avoir une éducation comme il aurait voulu. Et toute sa vie, il n'a fait que s'intéresser à la culture, à la musique, etc. Et il était en fait extrêmement cultivé. Il a voulu faire une société d'édition, et on a dit une maison d'édition subversive, etc. Qui s'appelait Champ Libre. Champ je crois. Libre. Oui. Non. Quand vous voyez Orwell, etc., c'est pas ce que j'appelle la littérature subversive. Donc il y avait. Non, c'était. Ça dépend pour qui. Oui, c'est L'État vrai. Se sent toujours menacé. Oui, mais c'est bon. Vrai, c'est vrai. Mais enfin, il était aussi très anticommuniste. Il a fait paraître le discours de Khrouchtchev, etc. Donc c'était pas. C'était moins subversif qu'on a. C'est à cause de Debord qu'on a dit ça. Voilà. Donc il était intéressé par autre chose que par le cinéma. Bon. Et dans le cinéma, il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il aimait toutes les sortes de cinéma. Ce qu'il aimait, c'était le talent, exactement comme Wasserman. C'est-à-dire que, à la différence de Toscan, qui lui était très élitiste, pas du tout Gérard Lebovici. Oui, parce qu'il a produit des films, mais voilà. Vraiment des comédies, enfin mais vraiment grand public. Mais il trouvait que tout ce qui était talentueux méritait d'être suivi. Mais alors, de l'autre côté, les films de Debord, mais attendez, comparés... vous avez des ponts entre eux. Oui. Vous passez pas, c'est pas le grand écart, oui. C'est pas tout à fait oui. Vrai. Oui. Vous avez Belmondo, vous avez Truffaut, vous avez Alain René, vous avez Tony Gatliff, cinéma gitan d'un jeune type, etc., par conviction gitane. C'est lui qui a amené Debord au gitan, c'est pas le contraire. Et puis, vous avez Debord. Bon, il faut dire que Debord était brillantissime. Oui. C'était un homme brillantissime, d'une culture absolument immense. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? En commun, ils avaient le fait... D'abord, Debord est arrivé chez Gérard Lebovici, on a eu un problème avec un éditeur. Il avait l'impression d'avoir été volé par cet éditeur. Donc, sur quoi? L'édition de la Société du Spectacle? Non, c'était pas la Société du Spectacle, c'était lequel? Là, vous me posez une colle. Qu'importe. Bon, enfin, sur un autre oui, livre. Oui, avant. Bien. Et donc, il voulait... Changer. Changer. Et donc, ils ont pris Kejman comme avocat, etc. Et ça a été, ça a été rondement mené. Mais ils ont eu une sympathie immédiate. Pourquoi? Parce que tous les deux... avaient des goûts communs très forts. Alors, ça va peut-être vous paraître pas grand-chose, mais ils adoraient les mêmes poètes, ils adoraient une certaine beauté de Paris, ils aimaient fouiner dans les librairies. C'est des choses Il y a tout un paysage mental, un paysage culturel, mental. Culturel et de charme. Ils aimaient s'arrêter au café pour boire, etc. C'est des choses qui ont plus d'importance que ça n'en a l'air. Ben non, au contraire, on le voit bien. Et oui. Et Debord était un esprit séduisant. Moi, je l'ai beaucoup vu, Debord, pendant un moment. Et pourtant, il allait très mal quand je l'ai oui. vu. Il vous allait en très donnez, mal. Oui. Vous en donnez un portrait contrasté. Alors, comme il faut qu'on avance, disons que voilà, la collaboration Debord-Lebovici a abouti, entre autres, parce que l'œuvre de Lebovici, elle est immense, à la production de deux films. Bon, d'une part, la version filmée, si on la peut appeler ça des films, parce que bon, c'est un peu troublant. D'une part, la Société du Spectacle, et d'autre part, ce film
Injirom, alors je vous laisse dire le nom complet. C'est qui un veut palindrome. Dire, voilà, c'est ça, ça peut se lire des deux sens. Le palindrome le plus court, c'est Ève. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est, ça s'appelle Injirom imus nocte et consum imur igni. Igni, c'est-à-dire ça que veut dire nous avançons. Nous sommes Injirom imus nocte, nous avançons dans la nuit et nous sommes consommés par le feu. Voilà. C'est pas mal. Alors, oui, je l'ai regardé plusieurs fois, je l'ai même revu à l'occasion de notre émission. Bon, ce sont des films, on peut les voir hein, sur Internet, ils sont en libre accès, j'invite nos spectateurs à les regarder. Ce sont des œuvres. Pas forcément, mais enfin, pour juger, c'est mieux. Oui. Ce sont des œuvres étonnantes, ce sont des œuvres très parlées surtout. Appeler ça un film, je ne sais pas, tout dépend de la définition qu'on donne d'un film, souvent des successions d'images fixes. Bon, voilà. Et puis finalement, c'est une réflexion politique. Pour résumer, je crois qu'ils avaient tous les deux, et Gérard Lebovici et Debord, un goût extraordinaire pour la provocation. Comme vous l'avez vous-même remarqué, parce que j'ai vu que vous aviez noté que dans la correspondance de Champs Libres, c'était quand même des exercices d'écriture, une drôlerie extraordinaire. Ah oui, ils faisaient des réponses salées aux gens. Hein. C'était des réponses salées. Et donc, ils avaient le sens de la provocation. Et je crois que le sens de la provocation de Gérard Lebovici a été comblé par Guy Debord. Ah bon, d'accord. C'est sous le fou du roi, alors. Guy Debord. Alors, je ne sais pas, beaucoup de gens diraient plutôt que c'est Debord qui a manipulé Lebovici. Oui. Moi, je crois. Vous parlez que... de la relation, j'ai adoré ce que vous avez dit de Tartuffe et d'Orgon. Et j'ai trouvé que ça éclairait beaucoup. C'est Truffaut qui disait ça. Mais c'est très bien trouvé. J'ai cité Truffaut. C'est très bien trouvé. J'ai cité Truffaut. Mais Truffaut était très malheureux de cette affaire, parce qu'il aimait beaucoup Gérard Lebovici et il se faisait du souci pour lui de le voir. Avec Debord. Puis ça l'agaçait beaucoup. Il a été jusqu'à, alors ça va faire rêver aussi des gens, il a été jusqu'à louer un cinéma qui coûtait une fortune par semaine. Il a pas loué, il a acheté. Il a acheté, mais par semaine, l'exploitation coûtait une fortune. Ah bah, où n'étaient projetés que les deux films de Debord. Ça n'a pas duré, puisque malheureusement, il a été assassiné. Mais qui ne réunissait quasiment personne, par jour, 4-5 personnes, pas plus. Oh non, beaucoup moins. Voilà. Vous êtes méchante, là. Non, je suis pas méchante. La rentabilité n'était absolument pas la question. Et donc, bon, quand même, il était très entiché de ce monsieur. Alors, comme on doit avancer, on va juste dire que ce qui est un peu triste, c'est que Lebovici a été assassiné dans des conditions très mystérieuses, dans un parking de l'avenue Foch. L'enquête, je ne sais pas si vous savez quelque chose aujourd'hui, semble au point mort. Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on a des pistes? Quelle est votre idée sur la... Voilà, donnez-nous un scoop si vous en avez un. Non, je n'ai pas de scoop. Bon, alors, ce serait étonnant que ça se passe ici. Donnez-nous en tous les cas votre sentiment à vous sur la mort de Lebovici. Pourquoi est-il été tué? Vous savez ce qui est finalement facile quand on a... j'ai connu sa famille et tout ça. Il y a une seule chose qu'on peut dire... c'est qu'il y a des gens qui ont été soupçonnés, et alors vraiment à tort, et que toutes les pistes qui ont été étalées n'étaient pas les bonnes. Mais c'est souvent comme ça quand Ne sais pas si c'est souvent comme ça, mais enfin, là, c'est comme ça. Et alors, évidemment, à un moment donné, la police, qui trouvait que ce Debord était un drôle de personnage, s'est posé la question. Et Debord, lui, il était tellement terrorisé qu'il suffisait de l'interroger un instant pour voir qu'il n'avait qu'une seule peur, c'était d'être le suivant sur la liste. Bien sûr. Donc, c'était pas lui du tout. Debord et Floriana Lebovici, tous les deux, étaient convaincus que c'était quelque chose qui était lié au cinéma. Et est-ce que c'est votre sentiment? Moi, oui, parce que c'est mon sentiment, mais d'une manière très diffuse. C'est-à-dire que je sais très bien qu'il y a des gens dans le cinéma auxquels la police a songé, et ce n'était pas eux du tout. Et donc, ça n'est pas du tout une mise en perspective d'une quelconque théorie qui a été mise dans la presse ou quoi que ce soit. Je crois qu'au contraire, ça n'a pas du tout été dans la presse qui s'est réellement passé. Mais par contre, ce que je crois, c'est qu'il y a quelque chose de lié, quand vous voyez la politique, l'argent, tout ça, je ne sais pas. La politique n'est peut-être pas étrangère à tout l'argent, ça. Alors, on va rebondir sur un personnage beaucoup plus joyeux, parce que... Toscan Duplantier, que vous avez vraiment très, très bien connu. Ben, moi, je lui dois d'être entré dans le cinéma, donc je peux lui dire merci de toute façon. Hein, voilà. Parce qu'il m'a ouvert la porte du Don Giovanni de Lozé, c'était quand même un cadeau. C'est une belle porte d'entrée. Mais alors, tout de suite, pour en dire un mot comme producteur, puisque c'est comme ça qu'on a essayé d'égrener chacun des portraits, est-ce que lui, on pourrait parler d'un producteur... Médicis, d'un producteur esthète. Eh ben, vous voyez, voilà, c'est ça. Il a écrit « Longtemps, je me suis pris pour un Médicis ». Et alors, est-ce que vous corroborez cette vision qu'il avait de lui-même? Longtemps, ça a été le cas.
parce que il adorait les talents. Il était en extase de travailler avec des gens qu'il estimait, comme Rossellini, comme Fellini. C'était maître, et oui. Et comme des maîtres, ses maîtres, il disait ses maîtres. Ouais. Et comme il avait l'accès au financement de Gaumont avec l'amitié de Nicolas Sédoux, voilà. Et aussi ils étaient complices parce que Nicolas Sédoux aimait ce que faisait Toscan. Ils étaient fiers de le faire ensemble. Alors rappelons quand même comment ils se sont connus. En fait, ce sont d'abord Toscan, c'est un grand bourgeois. Ce n'est pas quelqu'un qui a connu. C'est le seul des. Voilà, c'est des ça. Les difficultés des autres. Bon, Selznick étant un cas à part parce que lui a connu un revers de fortune. Il a connu la richesse, puis la pauvreté, puis de nouveau la richesse. C'était jamais un bourgeois, tandis que Toscan, voilà. Il était la bourgeoisie tout à fait. Française de province. Bon teint, etc. Avec quelques nobles dans, tout le, à fait. Dans la lignée, château etc. Et tout ça. Et ce Toscan, en fait, a rencontré, je crois, Sédoux à Sciences Po. Mm-hmm. Il me semble que c'est là que je ça s'est noué. Hein, que c'est là. Et Sédoux étant devenu bien, la fortune qu'on connaît toujours, d'ailleurs, ouais. Et le grand Manitou de Gaumont, l'a, dans un premier temps, pris auprès de lui. Et c'est comme ça que Toscan a commencé à sévir dans le cinéma. Est-ce que c'est exact? Oui, on peut dire ça comme ça. La prise de pouvoir de l'achat de Gaumont s'est faite à trois personnes. Il y avait Nicolas Sédoux, il y avait quelqu'un de tout à fait extraordinaire qui s'appelait Jean-Pierre Rassam, oui. Qui était un très grand producteur. Vous en parlez abondamment aussi. Et puis Daniel Toscan-Duplantier. Voilà. Et puis il y avait Jean Riboud qui avait une importance considérable parce que c'était le grand patron de Schlumberger. Et donc tout ça, c'était le groupe Schlumberger qui rachetait Gaumont. D'une certaine manière. Donc il y avait un magot énorme, oui. Et donc de quoi, dans un premier temps... Et Rassam m'a fait peur. Voilà, assouvir et la créativité de Toscan-Duplantier. Toscan s'est retrouvé directeur général de Gaumont, voilà. Flamboyant. Alors on lui doit... Et bourse ouverte. On lui doit des réalisations absolument exceptionnelles. On ne va pas pouvoir rentrer dans tous les détails, non. Mais vous en avez cité une qui est tellement en soi singulière, presque unique. Bon, d'abord, il a inventé un genre. Il a inventé le genre du film opéra. C'est vrai. Et il a tiré son premier feu d'artifice avec le Don Giovanni. Vous voyez, on ne dit même plus le Don Giovanni de Mozart, on dit le Don Giovanni de Lozès, ce qui veut dire beaucoup. C'est-à-dire que vraiment, il a réussi cette adaptation incroyable de l'opéra de Mozart en film. Tout ça tourné entre Venise et Vicence, c'est-à-dire la ville du Palladio. Là encore, bon, bah, et vous, c'est d'ailleurs comme vous l'expliquez à ce moment-là que vous en êtes, que vous êtes rentré dans le. Pour moi, c'était incroyable. Dans la famille Toscan, si je puis dire. Oui. Mais toute cette prodigalité qui a abouti à des œuvres majeures, bah, lui ont aussi valu, je crois, en 1985, quelque chose d'extrêmement déplaisant que je vous laisse raconter. Parce que voilà, dans un premier temps, comment s'est terminée la première partie de la carrière de première Toscan. Première partie de sa carrière cinématographique, puisqu'avant, il avait travaillé avec Blostein Blanchet dans la publicité. Alors, comment ça s'est terminé? Il faut dire que non seulement il avait produit, c'était la production internationale, hein, il y avait Bergman, il y avait Fellini, Carlos Saura, il y avait des Allemands, il y avait même du cinéma un peu brésilien. Donc, il a vraiment participé à un essor extraordinaire du cinéma des années 80. 75, oui, 80, c'est début des années 80. Mais il n'a pas fait que ça. On dit toujours qu'il a été renvoyé par le conseil d'administration, finalement. Nicolas Sédoux a été obligé. Parce qu'il a fait des films à perte. C'est vrai, mais surtout, il a perdu un argent fou avec ses filiales. C'est-à-dire en qu'il Italie a fait des filiales, aux États-Unis. Voilà, là, c'était la chute libre. Parce qu'ils se sont fait manipuler en Italie, ils pensaient d'acheter des salles italiennes, alors avec la mafia et tout ça. Donc, ils étaient, mettant un polytechnicien à la tête des salles italiennes, c'est vous dire que c'était d'aller au casse-pipe. Donc, de toute façon, il n'y avait pas que les films. Il y a eu des films qui ont été des pertes énormes. Mais le développement des filiales. Il y avait le développement des filiales qui a coûté, je crois, vraiment très très cher. Alors, en 85, eh bien, Nicolas Sédoux lui a dit un beau matin, voilà, tu n'es plus fait partie de la société. Donc on a cru que c'était fini pour lui. Et alors, ça a donné l'occasion d'un des plus beaux... Enfin, n'importe quelle personne renvoyée adorerait avoir ce compliment, et de là où il émanait aussi, puisque Mitterrand, le président Mitterrand, dont on peut dire tout ce qu'on veut politiquement, mais je pense que chacun s'accordera à reconnaître que c'était un véritable homme de culture, et on mesure ce que c'est dans les temps actuels, lui a dit « Sachez bien qu'à mes yeux, si vous n'êtes pas le seul auteur des pertes, vous êtes le seul auteur des films. » Donc il conforte... C'était une belle phrase. Oui. Hein,
Oui, puis un compliment magnifique venant d'un homme qui savait de ce qu'il parlait en matière de culture. Mais alors, c'est là où on réalise finalement le vrai Toscan, parce que, bien, on pourrait le croire coulé. Certains, et vous m'avez dit, je crois que peut-être un peu les Bovici ironisaient sur les facilités à produire. Oui, mais avant, quand ils l'avaient vu faire, il ironisait un petit peu, je ne parlais pas de sa chute. Oui. Je disais, il ironisait un peu parce que il trouvait que tout ce que faisait Toscan, comme c'était à l'appui de la fortune de ses doux, c'était pas réellement toutes les difficultés d'un producteur. Et c'est là qu'on va voir arriver le vrai Toscan, parce que au fond du trou, bien, je vous laisse dire la suite de l'histoire. Au fond du trou, il a tout de même produit la Palme d'Or de l'année suivante avec Piala. Ça, c'est le plus beau revers. Oui. C'est-à-dire, au fond du trou, les gens qui l'aimaient beaucoup l'ont suivi. Voilà. Finalement, c'est ça qui lui donne ça. Oui, Michel Deville, Piala, ça a continué. Alors, par contre, il a fait moins de films avec Depardieu. La grande période Depardieu, il l'a fait encore un petit peu avec Piala. Mais c'est vrai que la manière dont il a rebondi, c'était magnifique. Et puis, il a fait un autre très grand succès, financier aussi. C'est Erato. C'est la maison d'édition musicale. Parce que il y a quelque chose que je trouve très sympathique, et chez Gérard Lebovici et chez Toscan, c'est cet à côté du cinéma. L'un, c'est l'édition, l'autre, c'est la musique. Et Toscan, quand il est parti de Gaumont, a reçu en cadeau de départ Erato. Erato était une petite société de musique qui perdait de l'argent. Et Toscan en a fait quelque chose de magnifique. Qu'il a revendu aux Américains après, parce qu'on ne pouvait pas tenir ça en France, il fallait que ça devienne. Et ça, moi j'admire vraiment énormément. Alors, puisque nous abordons la question du producteur, et pour en finir avec cette émission, on voit, il y a une chose qui est montrée dans votre film, c'est que chaque fois que des Européens sont allés, et c'est vrai aussi pour les Bovici, à la conquête du marché américain, ils se sont cassés les dents. Quelle est votre explication là-dessus pour encourager ou décourager quelqu'un qui aurait de nouveau cette idée? Pourquoi nous cassons-nous toujours les dents sur le marché américain? Pour faire des films, parce que sinon, les acteurs, vous en avez qui ça, oui, mais voilà. Dans la question de la production réellement, dans la question de la production, et puis il y a aussi des films qui sont appréciés des Américains, et donc qui donnent des Oscars, etc. Donc ça, pendant un certain temps, par exemple, quand Jean-François Le Petit a fait Trois hommes et un couffin, pendant un moment donné, il avait Hollywood à ses pieds. Au point que quand le président de Disney a envisagé de faire le parc en Europe, Euro Disney, Disneyland, ça a changé de nom. Oui, c'était Disneyland. Voilà. Il fallait qu'il voit. Il a appelé Jean-François Le Petit pour savoir pourquoi il fallait qu'il voit un monsieur qui s'appelait Fabius. Oui. Parce que pour lui, la France, c'était Jean-François. Voilà. Donc non, c'est une anecdote drôle. Ça montre comment les Américains se représentent. Les Américains peuvent accepter aussi un grand producteur français parce qu'il a fait un succès. Mais quand il s'agit de s'installer aux États-Unis. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut devenir américain. Et les Français ne savent pas devenir américains, ils n'ont pas envie. Mais c'est une question seulement de mentalité, alors ? Oui, de mentalité. De mentalité, absolument. Vous savez, il faut rentrer dans un système qui n'est pas le nôtre. Écoutez, Marie-Christine de Montbrial, merci infiniment d'être venue sur le plateau de l'Essonne en hauteur pour ce livre extraordinaire, dont je rappelle le titre, Cadavre exquis dans le 7e art, qui donc s'intéresse au destin de quatre grands producteurs du cinéma international. C'est ainsi que nous prenons congé de nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en hauteur. Cinque in Francia, Turchia, Novantura.